Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chacun est évidemment libre de tirer des événements de ces 4 derniers mois les conclusions qu'il souhaite. En ce qui me concerne, j'en retiens une principale. C'est un puissant besoin de transformation. Transformation de nos outils, transformation de nos institutions, transformation de nos procédures, de nos faiblesses coupables dont notre dette publique est le témoin muet, rampant et menaçant. Ce n'est pas le statu quo dont la France a besoin, mais c'est de transformation. Pas de violence, mais de dialogue, de courage et de vérité. C'est ce à quoi nous a invités depuis 2 ans le président de la République. C'est ce qui fait que, venus d'horizons divers, les élus de la majorité sont réunis autour de lui, sur ces bancs. Je vous remercie.